Bienvenue dans cette formation sur Unity 2018. Je suis Jean-Philippe Parrain et je serai votre instructeur tout au long de ce cours. Vous voulez apprendre le développement de jeux vidéo ou développer vos compétences avec Unity? Ce guide complet est fait pour vous. Ce cours s'adresse aux débutants, mais aussi à ceux qui ont une certaine expérience avec Unity. Dans un premier temps, nous découvrirons son interface, ses différents composants de base, mais aussi le langage C# afin de créer vos propres scripts. Ensuite, nous mettrons en pratique nos compétences en réalisant des jeux. Toutes les ressources vous seront fournies en fin de section, ainsi que le code source des projets. Ces jeux nous permettront d'exploiter les fonctionnalités d'Unity, comme l'animation, les lumières, le texturing et bien d'autres choses. Votre progression sera incrémentale. Et lorsque vous aurez acquis les notions de base, nous nous intéresserons à l'animation afin de réaliser des personnages réalistes en 3D. Une section sera consacrée à l'intelligence artificielle afin de donner un comportement approprié aux ennemis, mais aussi un système de déplacement pour accentuer la difficulté du jeu. Une des nombreuses autres sections traitera de la compilation de votre jeu pour plateforme mobile ou navigateur web, sans oublier les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Linux. Unity a beau être un des moteurs physiques 3D le plus utilisé dans l'industrie du jeu vidéo, il permet aussi le développement de jeux en 2D. Vous allez apprendre à réaliser un personnage en 2D avec ses animations. Vous apprendrez à utiliser les outils permettant de réaliser le design d'un niveau très rapidement, mais aussi la gestion des caméras avec Cinemachine. Vous exploiterez les composants physiques 2D permettant de donner des mouvements réalistes à vos objets, sans oublier la création d'ennemis avec une intelligence artificielle. Toutes ces compétences seront à nouveau mises en application dans des ateliers pratiques où nous réaliserons des scènes de jeu ensemble, pas à pas. Ce cours, le plus complet que vous trouverez sur Internet, aborde beaucoup de sujets. Vous y apprendrez par exemple l'user interface, les effectors, les différents types de colliders ou bien encore les outils mis à votre disposition en bêta. Il m'est impossible de tous les énumérer dans cette présentation. Si vous souhaitez une description plus précise du contenu, consultez le plan du cours ainsi que les vidéos de preview qui sont en libre accès. Tout cela peut vous paraître complexe, mais je vous assure qu'à la fin de ce cours, vous serez capable de créer vos propres jeux et de réaliser vos projets. Alors si vous voulez devenir développeur de jeux vidéo avec Unity, rejoignez-moi dans la première partie de ce cours.